Alors bonjour, je ne sais pas si le démarrage de la vidéo était déjà lancé. En tout cas, bonjour René. Merci d'être là à mes côtés aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la fusion, enfin, au changement politique et au changement de paysage avec les 20 OPCA qui sont devenus 11 OPCO. Eh bien, on va essayer de faire le tour de cette question, de dire adieu aux OPCA et bonjour aux OPCO. Donc, le sommaire de ce webinaire, donc on va présenter la FREF et René Balorski, son président. Il va nous présenter l'origine du changement, le rapport dont il est le co-auteur avec Jean-Marie Marx, qui a donné lieu à ce changement de transformation, de transfert des opérateurs de collecte agréés vers les opérateurs de compétences, donc du passage de 20 OPCA à 20 OPCO, OPCO, et puis eh bien, nous répondrons à vos questions. Alors, première question, René Bagorski, qui es-tu, qui êtes-vous Je suis tu vous. Oui, bon, bonjour à tous. Déjà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous là, c'est le début d'après-midi. Alors, qui je suis? Moi, je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait une conférence où le journaliste a énoncé tout ce que j'avais pu faire et d'un seul coup, j'ai pris un total coup de vieux. Alors, rapidement, j'ai d'abord été professeur de français, d'histoire géo en lycée professionnel. Ensuite, j'ai eu un parcours de syndicaliste en étant conseiller confédéral à la CGT entre 98 et 2000, fin 2008, début 2009. Et cette expérience-là m'a permis de négocier les accords sur la formation de 2003 et de 2009, entre 2003 et 2009, d'être dans les instances des partenaires sociaux, et notamment en tant que président de l'instance de coordination des OPCAREG, qui sous ma présidence est devenue OPCALIA. J'ai ensuite eu un parcours de consultant indépendant, et puis là, maintenant, depuis quelques années, là, 7 ans quasiment, je suis à l'AFPA, je suis en charge du suivi des branches professionnelles notamment. Alors, on parle de la FREF, c'est une association que j'ai le plaisir de présider depuis 2015. Cette association-là, elle est née avant moi, puisqu'elle date de 1961, et que c'était le directeur des affaires sociales de Siemens qui, à l'époque, voulait en fait créer une association qui réfléchisse et qui fasse de la formation non pas un outil exclusivement au service de l'économie, mais que la formation soit à deux têtes, c'est-à-dire une tête de réponse aux besoins des entreprises et une autre tête qui permette à chaque collaborateur de pouvoir se former et pas uniquement sur les besoins des entreprises ou les besoins économiques, mais qui pouvait aussi se former pour lui-même et ce qu'on appelait à l'époque l'émancipation et la promotion sociale. On est 2 ans juste après la loi Debré. Et la loi Debré ouvrait les centres de formation le soir, que disait que toute évolution professionnelle, toute promotion sociale était le résultat d'un effort personnel. Donc cette association-là, elle existe donc depuis longtemps. Elle est sur adhérent des organismes, des opérateurs de compétences. Alors Olivier P, votre organisme n'est pas adhérent de la FREF, je l'ai dit. Des organismes de formation, des MOS, SEGOS, l'AFPA et d'autres, des consultants, Michel par exemple, et adhérents et d'autres, et puis des personnes individuelles. On se retrouve à peu près une fois par mois sur des matinées avec des thématiques qui sont des thématiques liées à la formation. Et ces thématiques-là, en fait, la FREF les traite non pas simplement en expliquant ce qu'est le texte qui vient de sortir, mais à l'aune de l'histoire de la formation professionnelle et des valeurs qui sont les valeurs de la FREF. La FREF, ces valeurs, vous avez compris, hein, j'ai parlé d'émancipation et de promotion sociale. J'ai un vieux dada, c'est un vieux monsieur qui s'appelle le marquis de Condorcet, 1792, qui écrivait un rapport sur l'instruction publique, qui est ce rapport-là, finalement, il trouve la première définition de la formation pour adultes, où il dit que chacun, tout au long de la vie, doit pouvoir bénéficier d'une formation qui sorte des fourches caudines de l'école. Chaque individu doit pouvoir être en capacité d'argumenter contre les puissants, c'est le terme qu'il utilise,
Et il a une phrase qui est une phrase redoutable qui dit, est-ce qu'il y aurait d'un côté des gens qui pensent, de l'autre côté des gens qui croient, est-ce qu'il y aurait d'un côté des dominants et de l'autre côté des esclaves? Et toute ma carrière professionnelle, tout mon engagement, y compris dans la mise en œuvre des opérateurs de compétences, a été à l'aune de cette réflexion-là. C'est comment on donne les moyens à un individu, qu'il soit salarié, non salarié, autonome, indépendant, de lui permettre d'avoir tout au long de sa vie professionnelle accès à la formation. Et pourquoi pour nous c'est important? Parce que je vais revenir sur le préambule de la Constitution de la 4e République, qui a été repris dans la Constitution de la 5e. Il y avait 13 droits fondamentaux, donc opposables à l'État. Dans ces 13 droits fondamentaux, il y en a deux qui m'intéressent. Un premier qui était l'accès à la santé, aux retraites et au bien-être pour tout citoyen. Et un deuxième droit fondamental qui était l'accès à la formation et à la culture pour l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, on est dans une situation, si on regarde notamment la loi de 2018, l'accès à la culture a largement disparu des radars. On est dans un accès à la formation qui doit permettre une opérationnalité la plus rapide par rapport aux besoins du marché. Donc, c'est une présentation rapide. Et c'est une présentation fort dense et fort intéressante. Et Françoise nous rappelle que le CNAM a été créé en 1794. Voilà. Le CNAM, j'ai le plaisir de dispenser quelques cours aussi. On est effectivement avec l'abbé Grégoire dans une continuité de ce qu'était à ce moment-là un peu une logique. Alors, Condorcet écrit sur l'instruction publique. Il n'écrit pas ni sur l'éducation nationale, ni sur la formation, et les mots ont du sens. Alors, nous partons maintenant sur le rapport Marx-Vygotsky, qui est à l'origine de ce changement dont nous parlons cet après-midi. Hein, alors, tu peux nous en dire quelques mots, peut-être, de ce rapport Déjà, de contextualiser. C'est un rapport qui nous a été commandé par Muriel Pénicaud à Jean-Marie Marx et à moi début mai 2018, avec un timing qui était extrêmement serré. Et ce timing extrêmement serré devait conduire à une réorganisation et une transformation des OPCA, qui étaient des opérateurs paritaires collecteurs agréés, vers des opérateurs de compétences. Alors, toutes mes interventions, quand j'utilise le mot OPCO, c'est vraiment par inadvertance, parce que pour moi, OPCO ne veut rien dire. OPCA, c'était organisme paritaire, collecteur, agréé, et chaque mot avait du sens. OPCO, ce sont les deuxièmes lettres d'opérateur, les deux premières lettres d'opérateur, les deux premières lettres de compétence, et que ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je préfère parler d'opérateurs de compétences. C'est les opérateurs de compétences, le mot a du sens, puisque la loi du 5 septembre 2018 n'est pas la énième loi sur la formation. C'est la première loi sur la gestion par les compétences. Et quand vous regardez, en fait, si vous avez envie de lire attentivement le texte, le mot compétences arrive plus de 200 fois, alors que le mot formation arrive à peine une vingtaine de fois. On est bien dans une autre logique. C'est comment on permet à des personnes d'acquérir ou de valider des compétences qui vont pouvoir répondre aux besoins immédiats ou quasiment immédiats des entreprises et du marché. Alors, le titre 1 de la réforme, de la loi, c'est le titre 1 de la loi, c'est vers une société de compétences. Absolument, donc. Comme tout est dit. Et y compris si vous regardez le texte, le titre exact du rapport, c'est. Les opérateurs de compétences transformaient la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences. Donc, il nous a fallu réfléchir de façon extrêmement rapide. Donc, on a vu le banc et l'arrière-banc de la formation professionnelle, 37 auditions à raison de 2 heures minimum d'audition, avec en filigrane, en fait, d'abord ce qui était écrit dans le projet initial du 27 avril 2018, qui parlait de cohérence d'un champ d'intervention professionnelle ou interprofessionnelle, quand on parlait d'opérateurs de compétences, et avec chemin faisant, parce qu'en même temps qu'on faisait le rapport, la loi continue à être discutée à l'Assemblée nationale, et le 1er août, on a parlé en fait de cohérence et de pertinence économique
du champ d'intervention des opérateurs de compétences. Ce qui nous convenait bien à Jean-Marie Marx et à moi, parce que dans la réflexion qu'on a pu avoir, c'était non pas de transformer les OPCA existants en opérateurs de compétences, mais bien de mettre en place un nouvel outil opérateur de compétences qui rentre dans la logique de la nouvelle loi et qui casse finalement les codes et les habitudes, pour ne pas dire les habitus, qui étaient ceux des OPCA. Alors, pour vraiment réfléchir sur le sujet, on s'est dit quels vont être nos critères d'entrée. Et les critères d'entrée, en fait, on en a plusieurs. Si vous lisez le rapport, c'est page 18-19, pour ceux que ça intéresse. Un premier critère qui pour nous était le centre du vraiment de la problématique, c'est de dire que la notion de cohérence et de pertinence économique, elle doit être approchée avant tout sous l'angle des métiers et des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nature des activités, des métiers, les besoins de formation et de compétences doivent être un premier critère d'unité pour le champ des opérateurs de compétences. Et à partir de là, les choses se sont faites de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus limpide. On a pris une photo, on a regardé par exemple le champ de la santé. Le champ de la santé, il y avait trois endroits où on trouvait de la santé. But lucratif, but non lucratif, vous aviez de tout ce qui pouvait être aide à domicile qui travaille aussi un peu sur le champ de la santé ou les maisons de retraite, qui se trouvaient ailleurs. On a dit quoi? Si on rentre dans ce premier critère-là, on change et on casse la logique de statut des entreprises, lucratif, non lucratif, et on va vraiment vers des champs cohérents. Pourquoi des champs cohérents? Parce que pour que les secteurs, si je reprends la santé c'est un secteur qui est un secteur important pour la société. Ce ne doit pas être la nature de l'entreprise qui doit primer, mais bien en fait le travail qui est fait à l'intérieur, les compétences nécessaires pour répondre aux besoins, qui sont les besoins de santé pour l'ensemble des populations. À partir du moment où on réfléchit les choses comme ça, on fait exploser un cadre qui était un cadre structuré depuis longtemps autour des statuts des entreprises et non pas autour des activités. Si je prends la notion de compétence, cette notion de compétence, pour qu'on comprenne les besoins de demain, il faut des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Ces observatoires, est-ce qu'on va avoir un observatoire à but lucratif, un autre à but non lucratif, un autre à je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'on va avoir un observatoire du champ concerné qui va permettre à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur statut, de pouvoir répondre aux besoins de compétences de leurs collaborateurs, mais aussi aux besoins qui sont les besoins de la société. Donc la santé est un exemple relativement facile. Si je prends le champ des banques et de l'assurance, on avait 5 OPCA où on avait des banques qui se retrouvaient. Et dans chaque OPCA, on avait des observatoires pour les banques qui se trouvaient à cet endroit-là. On a voulu, là aussi, regrouper, recréer et donner du sens. Mais au-delà de la logique métier, ce que je viens d'énoncer, on a voulu aussi réfléchir. En fait, j'aimais bien l'expression des agriculteurs, quand ils sont venus nous voir, en nous disant, nous, on est de la fourche à la fourchette. Ah, c'est joli. Donc une filière économique. Et donc, c'était aussi de réfléchir comment on pouvait avoir un champ cohérent des acteurs qui étaient des acteurs d'une chaîne dépendante, pouvaient se retrouver et réfléchir ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi notre rapport. Mais ce qui veut dire aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure que le 27 avril, on parlait encore de champs professionnels et interprofessionnels et que le 1er août, on parlait de pertinence économique du champ d'intervention. Vous comprenez que les deux OPCA interpro, d'un seul coup, trouvaient beaucoup moins de sens parce que même si on a des entreprises qui ne relèvent en fait d'aucune branche professionnelle, bon nombre d'entreprises à des activités qui correspondent à des champs déterminés et donc comment faire pour que ces entreprises-là se retrouvent avec, qui fait dire leur père, et non pas de façon autonome. Merci, hein, c'est très clair donc sur le rapport Bagorski. Vous pouvez le lire, alors je vous déconseille de cliquer sur le lien pendant la conférence parce que vous allez être déconnecté et être obligé de revenir. Vous trouverez le lien dans le document PDF qui sera en téléchargement.
Et dans ce document PDF, vous aurez à la fois la présentation que vous avez sous les yeux et puis un bulletin d'information et un bulletin d'adhésion à la FREF pour ceux qui le souhaitent, qui seront les bienvenus à cette association. Et puis, on va retrouver un document qu'on vous a mis qui est comment retrouver son OPCO à partir de sa convention collective. Alors, c'est un peu ce travail-là est issu de ce rapport. C'est la mise en place de la loi. Peut-être répondre tout de suite. Alors, on peut répondre tout de suite. Oui, l'opérateur de compétences du champ de la santé regroupera-t-elle également les employeurs du secteur public ? Aujourd'hui, non, mais à mon grand désespoir, ce n'a pas pu se faire dans ce cadre-là. Quand je dis mon grand désespoir, j'exagère. Juste pour la petite histoire, dans la proposition qu'on a faite, Jean-Marie et moi, sur le tableau que vous avez sous les yeux, la version de l'avant-veille de la sortie sur la santé, elle était marquée lucratif, non lucratif et fonction publique, puisque vous avez les mêmes métiers dans l'ensemble de ces structures-là. La ministre a souhaité, c'est la seule chose que j'ai acceptée, parce que c'était pour moi, effectivement, ça avait du sens politique, c'était pas le champ du rapport, puisque je vous rappelle que la formation professionnelle et la loi ne couvrent que le secteur privé, ne couvrent pas le secteur public, donc on ne pouvait pas, dans ce texte-là, parler au nom du secteur public. Mais au détour d'une phrase que vous retrouverez dans le rapport, on a précisé qu'il serait bon que secteur public et autres secteurs qui en charge la santé se voient régulièrement pour pouvoir faire avancer les choses. Le Crédit Agricole qui se trouve dans le secteur de l'agriculture et pas dans le secteur des banques. C'est la petite épine qu'on n'a pas réussi à sortir du pied. Oui. Parce qu'on nous a expliqué que le monde agricole était un monde à part et qu'étant un monde à part, ils étaient en réponse aux besoins ruraux. J'ai simplement, par rapport à cet argument dit et répété, je répète aujourd'hui, du Crédit Agricole, le propriétaire du crédit du Lyonnais. C'est quand même assez inconcevable que le Lyonnais soit chez Banque Assurance, que le Crédit Agricole reste au Capia, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça. C'est juste... c'est comme ça. Voilà, c'est un manque de cohérence effectif. Ou un lobbying puissant qui réussit. Oui, voilà, on peut le voir aussi comme ça. Alors, mission des opérateurs de compétences, maintenant. Merci pour vos questions. Hein. Alors, les missions maintenant des opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, donc là j'ai les trois missions, hein, gérer, accompagner et assurer un service de proximité. Je vais prendre le temps de dérouler dans la diapositive suivante un peu comment les choses se sont créées, comment ça s'est mis en place. Simplement, une chose extrêmement importante, c'est que les OPCA, on parlait de collecte, les opérateurs de compétences collectent encore cette année les titres provisoires, les cotisations, je ne sais pas si je dois dire cotisation, le dû des entreprises, et qu'à partir de 2021, c'est l'URSSAF qui va collecter, et que le rôle des opérateurs de compétences sera uniquement un rôle de structures au service, notamment des branches professionnelles qui sont adhérentes pour répondre à leurs besoins, que ce soit en termes d'observation, en termes de gestion, en termes de certification. Voilà. Donc là, on a rapidement fait une diapositive avec ce qu'étaient les OPCA avant, ce que je viens rapidement de dire, collecteur, et financer la formation, et bien à droite, les opérateurs de compétences qui se mettent en place. Donc, ils assurent le financement de l'apprentissage, mais pas que, tout ce qu'on appelle l'alternance, contrat pro et apprentissage, apporte un appui technique aux branches professionnelles. Cet appui technique va à travers les observatoires, le GPEC, et va aussi sur la construction des certifications. J'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà, je vais te laisser la souris. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment ça s'est construit, les opérateurs de compétences. Parce que les opérateurs de compétences, c'est la loi qui demande aux partenaires sociaux, donc syndicats d'employeurs, syndicats de salariés,
d'un champ cohérent, d'où l'importance du rapport que j'ai fait avec Jean-Marie Marx, puisque très très vite, quand le rapport est sorti, le cabinet et la ministre elle-même ont dit que c'était la feuille de route de la négociation des branches professionnelles. J'ai rarement vu un rapport autant porté par un ministère et un rapport qui a été autant structurant, même si je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a 100% du rapport qui se retrouve dans le nouveau champ, mais dans le nouveau champ, on a bien 80% des réflexions qu'on a pu mener qui s'y retrouvent de façon plutôt intelligente. Et je trouve, s'il y a des personnes dans les branches professionnelles, le travail qui a été fait en 3 mois est un travail énorme et extraordinaire, parce qu'arriver à changer de posture et à accepter à un moment donné de sortir des logiques qui étaient des logiques presque clientélisme dans certains cas, pour aller vers l'intérêt général, chapeau bas, le travail qui a été fait a vraiment été excellent. Alors, on a demandé aux branches un champ cohérent de désigner et de créer dans des opérateurs de compétences. Ces opérateurs de compétences n'existent que parce que l'État, et en l'occurrence le DGEFP, les agrée. Et les agrée en fonction d'un certain nombre de critères. Une fois qu'un opérateur de compétences est agréé, c'est les partenaires sociaux qui ont créé ces champs, cet opérateur de compétences, qui vont siéger au conseil d'administration. Alors, ce conseil d'administration, par rapport aux anciens, il a quand même beaucoup bougé, parce qu'avant, les partenaires sociaux étaient en totale autonomie. Avec la loi de 2018, dans chaque conseil d'administration, il y aura un commissaire du gouvernement et un représentant de Bercy. En gros, c'est obéissance, petit doigt sur la couture, cadre réglementé et réglementé au plus près. Alors, jadis, il y avait un monsieur de l'UNM qui s'appelait, c'était Lacroix, c'était Couture-Sauvagnac, pardon, qui parlait de fluidification du dialogue social, et notamment un peu du principe de cocotte-minute, en fait, d'un OPCA qui, quand on met la cocotte-minute sur le gaz, il y a toujours un peu d'évaporation d'eau, et il y a une partie de l'argent qui n'allait pas forcément là où ça aurait dû aller. Le nouveau système est beaucoup plus contrôlé et régulé. Donc, ces opérateurs de... Je trouve le bon endroit, excusez-moi. Mais ces opérateurs de compétences n'existent que parce qu'il y a des entreprises adhérentes. Et les entreprises sont adhérentes parce qu'elles appartiennent à des branches ou à un champ cohérent. Et que du coup, elles n'ont pas d'autre choix que d'adhérer à l'opérateur de compétences qui est celui de leur secteur. Alors, ici, on n'appartient pas à une branche, on vous demande. On n'appartient pas à une branche. On a plus de 36 000 choix parce que c'est la plupart du temps la nature de l'activité qui fait que. D'accord. Voilà, on a la réponse, on peut continuer. On a ensuite, alors je vois, mais je vais revenir tout à l'heure sur la notion de conseil d'observatoire, et je vais vous expliquer les choses un peu différemment. Les opérateurs de compétences, la loi leur confère 3 missions. Ils gèrent, ils accompagnent les branches professionnelles et ils assurent un service de proximité auprès des entreprises. Je vais prendre les parties les unes après les autres et on va un peu les décliner. On va prendre du temps et poser les questions que vous voulez si je vais trop vite, parce que j'ai tendance à parler vite, donc je vais ralentir le début. Non, mais tout va bien. Ils gèrent déjà ce qu'on appelle l'obligation légale. L'obligation légale, tout le monde, je pense, sait qu'il s'agit des 1%, des 1,6% versés par les entreprises de plus de 11 salariés. Et les 1,23% des entreprises de moins de 11. C'est un impôt, on va dire ça comme ça tranquillement, qui était collecté avant par les EPCA. Et dans ces 1,6 et dans ces 1,23, on retrouvera y compris la taxe d'apprentissage. Alors, on a encore une année 2019 qui est une année transitoire, donc quand les choses se mettront en place, on aura ce qu'on appelait avant l'obligation légale, versement des entreprises pour payer les formations des collaborateurs, et on avait la taxe d'apprentissage 0,68% qui était collectée par un réseau parallèle, même si c'était les OPCA qui le faisaient. Tout ça va disparaître, et l'obligation légale, ça sera la totalité de ces deux sommes-là. Les opérateurs de compétences donc, auront à gérer deux enveloppes,
une enveloppe alternance. L'alternance, c'est l'apprentissage, c'est les contrats pro et c'est ProA. Et vous avez une deuxième enveloppe qui est pour les TPE-PME de moins de 50 salariés. Quand on a fait le rapport, beaucoup de secteurs sont venus nous dire que les histoires de moins de 50, ce n'était pas une bonne idée. Parce que dans la version précédente, du temps des OPCA, il y avait en fait la possibilité d'avoir pour les entreprises de moins de 300 salariés une mutualisation des fonds pour financer leur plan de formation. Aujourd'hui, les entreprises de 50 à 299 se trouvent dans la même situation que les entreprises au-delà. Il n'y a plus d'enveloppe mutualisée pour financer non plus les plans de formation, puisque son nom a changé, il s'appelle plan de développement des compétences. Donc ça, c'est ce que vont gérer, et c'est ce que dit la loi, c'est la mission première des opérateurs de compétences. Alors, on s'excuse, on ne sait pas pourquoi, quand sur le diaporama que vous voyez, il y aura deux ou trois rectangles où les choses ne sont pas d'équerre, là, le S d'entreprise est plus bas, et il y aura un deuxième qui n'est pas cadré, on n'a pas trouvé la solution technique, donc on s'en excuse. Mais dans le PDF, tout est rétabli, vous avez la diapositive est convenable. Là, il y a trois ou quatre rectangles où ça doit être la compression, la réduction de l'écran. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas si pour vous, à l'écran, mais nous, on a un S de l'entreprise qui est un peu décollé de l'entreprise. Bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Alors, vous avez le sujet, donc les entreprises, à partir de 2021, ça me permet de répondre à une question, vont verser à l'URSSAF. L'URSSAF va reverser à France Compétences, qui est la nouvelle instance qui a été créée et qui est sous la tutelle, puisque le texte dit ça, du ministère du Travail et de l'Emploi, et donc qui est l'opérateur central de l'ensemble du système de la formation professionnelle, puisque l'argent va passer par France Compétences, qui va le reverser aux opérateurs de compétences en fonction de critères déterminés. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais là, vous avez ce qui est le système qui relève, j'ose dire, de l'impôt, et donc qui est contrôlé et régulé par France Compétences. Et vous allez avoir un deuxième niveau, c'est l'enveloppe conventionnelle. L'enveloppe conventionnelle, c'est quoi? C'est là où le rectangle n'est pas bon. C'est des accords de branche qui déterminent des publics et des certifications prioritaires et donc demandent aux entreprises qui relèvent de leur champ de verser une cotisation supplémentaire. Je prenais par exemple le cas de la santé tout à l'heure. La santé, déjà dans la version précédente, il y avait l'obligation légale de 1% et il y avait une obligation conventionnelle de 1% supplémentaire. Charge pour les entreprises de justifier qu'elles avaient dépensé 0,35 de la somme et le reste était mis dans une enveloppe mutualisée qui servait en fait à financer les priorités du secteur de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, juste une question qui est posée, est-ce que c'est versé directement à l'OPCO sans passer par l'URSSAF? On fera une réponse écrite parce que là, c'est le coup, j'ai un trou, sauf si la personne qui est dans un OPCO peut me confirmer, parce que comme les textes ont bougé, une fois ça passait par l'URSSAF qui reversait, une autre fois c'était une collecte directe. Je crois, si je ne me trompe pas, ça repasse quand même par l'URSSAF. Mais à vérifier, donc je vous donnerai une réponse, non pas maintenant, parce que je n'ai pas les moyens de répondre, sauf si Olivier P. peut me donner la bonne réponse. Conventionnel passe par l'URSSAF, c'est ce qui me semble aussi. Cette enveloppe conventionnelle est une enveloppe importante. Et l'autre chose, la troisième chose, c'est l'enveloppe volontaire. J'ai mis un point d'interrogation, parce que l'enveloppe volontaire, c'est en contrepartie d'une offre de service, que les entreprises versaient ça aux opérateurs de compétences. Les textes le permettent, maintenant il faudra voir si ça continue à fonctionner et comment c'est régulé. Donc là, vous voyez que la partie gestion, elle est à double entrée. Une entrée où on gère l'argent qui vient directement des obligations des entreprises et qui est réparti par France Compétences sur deux chapitres, l'alternance et des entreprises de moins de 50. Et il y a un deuxième niveau, c'est ce qui relève finalement du volontariat. Alors, volontariat un peu forcé pour les entreprises quand c'est dans le cadre d'un accord de branche.
Mais cet accord de branche est clairement inscrit sur les priorités de certification avec public. Et un troisième niveau avec l'entreprise qui continue à trouver auprès de l'opérateur de compétences un outil au service de leur, je regarde ce qu'écrit Olivier, conventionnel FP à compter de 2023, comptabilité, possibilité sur acte de volontariat des branches et respect cahier technique, collecte par OPCO, toujours possible, document DGOFP. Merci Olivier P. Merci Olivier Philippe de cette réponse. Donc on a ici donc, entreprise et inversement volontaire, donc on voit bien qu'il y a vraiment clairement deux blocs. Un, ce qui relève des missions que l'État confère aux opérateurs de compétences, et deux, ce que les branches professionnelles vont demander aux opérateurs de compétences d'accompagnement dans la gestion en fait des de leurs priorités. Alors cette gestion de priorité, elle n'existera que parce que les opérateurs de compétences vont accompagner les branches, et notamment à travers les observatoires. Alors les observatoires, c'est pas nouveau là, il faut que le gardien du temps. Les observatoires sont pas nouveaux puisque c'est la loi de 2004, la loi Fillon, qui impose pour chaque branche la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Et ces observatoires-là étaient hébergés au niveau des OPCA. Ça fait. Dans le travail qu'on a fait avec Jean-Marie Marx, alors sans trahir le secret, quand on a lancé là, nos discussions avec nos différents interviewés, Jean-Marie parlait d'observatoire, je parlais de certification. Et pourquoi on a réfléchi aussi en termes de champs cohérents, c'était de se dire qu'il valait mieux avoir moins d'observatoires, mais sur des champs cohérents, plutôt que d'avoir des observatoires par branche qui étaient des fois, dans certains cas, que des outils qui permettaient à des structures en périmètre de certains secteurs professionnels de continuer à vivre tranquillement. Ce n'est pas gentil ce que je dis. Mais c'était juste une observation. Donc, observatoire, ces observatoires, c'est soit les OPCO, les opérateurs de compétences, décident d'avoir des salariés, des collaborateurs spécialisés sur le champ, soit en fait en accompagnement des branches, construction des cahiers des charges, qui vont, ces cahiers des charges, permettre à des structures de conseil de travailler en fonction du cahier des charges déterminé et qui répond aux besoins d'une branche ou de branches professionnelles sur des champs qui sont des champs cohérents. Donc ça, premier niveau. Deuxième niveau, qui pour moi est un niveau extrêmement important et capital. Parce que dans le travail qu'on a fait, dans les critères, donc page 18 du rapport, vous verrez qu'il y a toute une réflexion sur la certification. Alors, qu'est-ce que c'est une certification? Tout le monde utilise le mot certification, mais personne n'explique que derrière le mot certification, qui est un mot valise, on trouve les diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on trouve les titres des différents ministères, on trouve les CQP des branches professionnelles, mais aussi des certifications d'organismes de formation. Tout ça. C'est des certifications. Alors d'abord, certification professionnelle, là, on n'est pas en train de parler de certification qualité, qui est un autre sujet, mais dans la certification professionnelle, effectivement, et, alors on nous a fait la remarque récemment que pour les entreprises, c'est certification à finalité professionnelle. Le terme de certification professionnelle, de titre, c'est titre à finalité professionnelle, le titre professionnel étant réservé au ministère du Travail. Donc là, quand même, l'importance de ce qu'on vient de vous dire, ayez ça à l'esprit, parce que là, on est sur un enjeu qui, pour moi, est l'enjeu majeur des années à venir. Cette certification-là, alors les branches, pareil, les opérateurs de compétences vont accompagner les branches, même cas de figure pour les observatoires ou des salariés, des collaborateurs dédiés, où en fait un cahier des charges est appel est fait, soit au monde semi-public qui pourrait être le monde de l'AFPA, du CNAM, des Greta, soit un marché ouvert à tous les consultants qui sont en capacité de faire de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Ces certifications-là, ce qui va être important, qui va conditionner aussi le système, c'est que ce sont les branches, quel que soit le secteur, qui demain auront le dernier mot sur la construction d'une certification. Cette certification-là, elle doit répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des secteurs économiques. Donc, toutes les commissions paritaires consultatives, et il y a un décret qui est sorti le 13 septembre, qui reformule et reformate en fait l'ensemble des commissions paritaires consultatives qui étaient avant verticales
et par un ministère qui devienne horizontal par rapport à des sujets déterminés maintenant, ces certifications-là sont le nœud de la formation de demain. Pourquoi c'est un nœud important? Parce que quand on parle de certification, la loi de 2014 a demandé à ce que les certifications soient découpées en blocs de compétences. Qu'est-ce que c'est un bloc de compétences? C'est une ou plusieurs activités répertoriées et les compétences qui vont avec. Chaque certification, je prends un CAP de maçon, est découpée en X blocs de compétences. Vous prenez un titre du ministère du Travail maçon, il est découpé en blocs de compétences. Vous prenez des CQP de certaines branches qui sont en lien avec la maçonnerie, sont découpés aujourd'hui en activités et sont un ou plusieurs blocs de compétences. Et vous avez certains organismes de formation qui ont leur propre formation par rapport aux maçons, mais qui ont aussi un bloc de compétences. L'enjeu... J'ai l'exemple dans la serrurerie. L'enjeu, c'est qu'il y ait des passerelles dans les 5 ans qui viennent entre toutes ces certifications-là. Que le bloc de compétences soit le maître étalon du système et que derrière ces certifications-là, elles doivent être inscrites ou au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, se joue un financement, pas des moindres, la capacité, la possibilité pour un individu de mobiliser son compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation en 2019 est encore géré par les opérateurs de compétences, mais à partir de 2020, c'est terminé et on rentre dans un système où c'est la Caisse des dépôts qui va gérer et en fait un marché totalement nouveau et ouvert d'achat de certifications et notamment de blocs de compétences par les individus pour répondre à leurs besoins, mais souvent aux besoins du marché. Donc, deuxième niveau, accompagnement des branches sur les certifications. Troisième niveau, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et là, vous vous rendez compte qu'on a un triptyque. Une GPEC intelligente ne pourra se faire que parce qu'il y a eu une observation intelligente qui s'est faite. Une GPEC ne pourra se faire que parce qu'à la suite d'une observation intelligente ont été construites des certifications qui correspondent aux besoins qui ont été repérés et observés. Et une GPEC intelligente ne pourra être financée que parce qu'un accord de branche aura déterminé les publics des certifications professionnelles et va créer une enveloppe conventionnelle qui va répondre aux besoins spécifiques des entreprises du secteur, quelle que soit leur taille. Ce que je n'ai pas précisé en parlant des accords conventionnels, c'est contrairement à la partie légale, cette enveloppe conventionnelle est ouverte à l'ensemble des entreprises, et pas uniquement aux entreprises de moins de 50. Et là, on a des perspectives différentes et la capacité des partenaires sociaux à s'entendre et à créer leur propre champ est quelque chose d'extrêmement important. Et ce rôle d'accompagnement des opérateurs de compétences, pour moi, au-delà de la cuisine de gestion de l'obligation légale, qui est une cuisine, pardonnez l'expression, il y a tout ce rôle d'accompagnement qui fait qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se développer au niveau des opérateurs de compétences, et que la valeur ajoutée des opérateurs de compétences, c'est bien l'accompagnement des branches dans ces missions qui sont les leurs, et pas uniquement les branches, puisqu'une fois que tout ça aura été calé, le service de proximité que va assurer un opérateur de compétences, il se fait au niveau des entreprises adhérentes de l'opérateur de compétences, mais on va lui expliquer quoi? On va surtout lui expliquer que dans le secteur qui est le sien, après les observations qui ont été faites et les besoins qui ont été identifiés, le marché va dans telle direction et que pour que l'entreprise puisse rester compétitive et mis à la disposition des entreprises des certifications qui répondront à ses besoins, que dans le cadre de gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, qui est quand même une des obligations des entreprises, alors de plus de 250 ou 350 tout le temps, mais qui est une des obligations, la formation étant un sujet important, cette gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, vous avez là tout un système, s'il est bien réfléchi, et s'il est structuré de façon pertinente, et qu'on n'est pas dans du clientélisme, mais bien dans de la prospective et du service à l'ensemble des besoins, pas seulement de l'économie, mais du développement de la société, on a un très 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 beau travail et champ d'investigation des opérateurs de compétences demain dans leur mission. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter à travers uniquement une diapositive.
Vous voyez bien que là, on est dans de nouveaux paradigmes, et ce, malheureusement, il y a encore quelques branches professionnelles et syndicales employeurs qui se battent comme Don Quichotte contre des moulins à vent, voulant absolument préserver le monde ancien. Il y a autre chose qui se met en place. Il y a autre chose qui se met en place aussi, et je pense que la stabilité des opérateurs de compétences va aussi être mise en cause. Vous savez que le projet du gouvernement, c'est réduire de façon notable le nombre de branches professionnelles. Oui, c'est passé de 750. Alors, on part de 750 à 60, 75, ou je ne sais plus. Ah ben, j'étais sur 750 à 250. L'objectif premier étant de passer à 200, je crois, effectivement. Oui, une première étape. Vous voyez bien que si on a cette étape de restructuration des branches professionnelles, aujourd'hui, quand on a des conseils d'administration, il y en a certains, et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est un peu une auberge espagnole, où il y a énormément de monde, avec la restructuration des branches. Ces conseils d'administration vont devenir moins pléthoriques et plus opérationnels. Parce que moi, ce que je ne souhaite pas, et on l'a écrit dans le rapport, c'est qu'on revienne à la logique, qui est la logique des OPCA, des sections paritaires professionnelles, donc des structures indépendantes pour chaque branche qui gérait en fait son périmètre financier comme elle le souhaitait. Dans la mesure où il n'y a plus de collecte au niveau des opérateurs de compétences, ce système vertical de sections paritaires professionnelles pour moi n'a que peu de sens, si ce n'est qu'à durée provisoire, ce qui doit avoir du sens. C'est des structures horizontales, des sections paritaires horizontales, une pour l'observation, une pour les certifications, qui pour moi sont vraiment l'alpha et l'oméga du développement du système. Conséquences pour les organismes de formation qui sont à l'autre bout de la chaîne. Alors c'est vrai que ça change un peu. Sur le plan opérationnel. Alors sur le plan opérationnel, pour les organismes de formation, c'est l'habitude de dire, il faut se mettre la tête à l'envers, et que tout le modèle économique qui était le modèle économique des organismes de formation est un peu à revoir, parce que la relation où c'était l'OPCA qui payait et qui était finalement le carrefour référent de l'ensemble du système, c'est un peu moins vrai, et qu'au final, il y a sans doute deux marchés qui vont se mettre en place, qui pour moi sont des marchés qui sont liés au vocabulaire du plan de développement de compétences. Je m'explique. Le plan de développement de compétences, vous savez, avant, il y avait trois types d'actions, etc. On a aujourd'hui, d'un côté, les actions dites obligatoires, et de l'autre côté, les actions dites non obligatoires. Les actions obligatoires, c'est tout ce qui relève du réglementaire, on caricature un petit peu. Et là, si on regarde ce qui est le financement des coopérateurs de compétences aujourd'hui et demain, il n'y a pas d'enveloppe pour ça qui est prévu. On va être clairement dans un marché en fait d'une entreprise vers un organisme de formation et c'est du gré à gré sur un certain nombre de produits. Puis vous allez avoir un deuxième marché qui est le marché qui est lié à formation dite non obligatoire mais qui correspond à la stratégie des entreprises et cette formation dite non obligatoire, y compris l'entreprise réfléchira avec ses collaborateurs dans l'utilisation des moyens financiers qui aujourd'hui sont qui peuvent être des moyens autonomes de l'individu, je pense aux comptes personnels de formation, mais qui pourraient aussi être en fait dans une réflexion commune, à condition que l'entreprise abonde, à un moment donné, une réflexion de financement différent. Donc là, dans le non obligatoire, vous allez y compris avoir les obligations des entreprises, je parle d'alternance, donc là, l'apprentissage des contrats pro, et le PROA vont être quand même des sujets de financement importants. Alors, juste une remarque, vous avez sans doute vu le projet de décret sur PROA qui dit que demain, nous pourrons être financés sur PROA que des certifications qui auraient été retenues dans un accord de branche et que cet accord de branche doit être étendu. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon juridique, ça veut dire qu'il faut attendre que l'État valide un accord de branche professionnelle. Si on avait voulu tuer PROA, on ne se serait pas pris autrement. C'est juste là aussi, à mon avis, que je partage avec moi-même, mais pas que. Donc là, vous avez vraiment le sujet. Donc pour les organismes de formation, c'est bien regarder ce qui relève finalement de la partie obligation légale. Si je fais de l'apprentissage du contrat pro,
si j'ai des entreprises dans mon portefeuille de moins de 5 ans, l'opérateur de compétences reste mon outil de référence. Par contre, si je sors de ce champ-là, c'est qui sont mes clients? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est l'individu et l'entreprise? Est-ce que c'est l'individu et la branche? Dans le cas d'un accord conventionnel, tout est possible. Donc là, vous voyez bien qu'on a une évolution quand même extrêmement importante de la logique mise en place. Et derrière cette logique-là, c'est la stratégie et le modèle économique des organismes de formation qui a réfléchi. Ouais, on pourrait aussi parler du fait que les organismes de formation peuvent faire l'accompagnement à la DAE, de l'apprentissage et des bilans de compétences, et tout ça aussi changer dans la définition de ce qu'est l'action de formation. Oui, justement, une chose, c'est important ce que dit Michel. Oui. On est passé d'une. La définition de l'action de formation, c'est quoi? C'est un parcours qui doit répondre à un objectif professionnel. Le financement se fait dans le cadre d'un forfait et non plus à l'heure stagiaire, même si contrat pro et pro A sont encore à l'heure stagiaire. Ce qui reste si vous regardez le contrat d'apprentissage, c'est un forfait. Alors, ça veut dire quoi un forfait? Ça veut dire que sont financés dans un parcours, sont considérés comme des actions de formation, les bilans de compétences, la VAE, la formation en situation de travail, formation à distance, j'en ai oublié sans doute, la formation présentielle, bien évidemment, et que vous voyez que quand on est organisme de formation, on ne réfléchira plus, quand on fait un devis en termes de HTS, qu'on réfléchira en termes de forfait et de parcours pédagogique qu'on propose à quelqu'un. Et puis, on est orienté sur quel est le résultat de notre action, non pas le programme et la durée, combien de taux horaires. Le programme, bien sûr, est le socle, mais l'objectif de la formation, c'est quelles compétences les stagiaires ont acquis au bout du parcours. Il y a une question. C'est l'idée. Question à Robert Joaquin qui dit est-ce que les OPCO vont financer l'alternance? On a des problèmes des entreprises de plus de 50 salariés. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise. En fait, chaque contrat d'apprentissage et chaque contrat professionnel est financé. Juste, je pense que vous savez tous qu'il y a une obligation d'avoir 5% d'alternants dans les entreprises de plus de 250. Et que 60% des alternants sont dans les entreprises de moins de 50. Donc voilà. Donc, et concernant le contrat d'apprentissage, contrairement à la période précédente, c'était un système subventionné, puisque c'était les régions qui avaient la main avec des conventions d'objectifs, avec les différents CFA. Demain, ce seront les contrats directement qui vont être financés. Et quand on est organisme de formation qui fait de l'apprentissage, c'est le sourcing qui va être extrêmement important parce que vous ne pourrez pas vous contenter d'une subvention. Je rappelle juste à ce titre-là que l'ensemble des organismes de formation pourront faire de l'apprentissage demain, à condition de demander à être répertorié comme centre de formation d'apprentis, et que vous avez aussi les entreprises qui vont pouvoir avoir leur propre CFA, et que là aussi, c'est un bouleversement énorme. C'est un bouleversement considérable et ça commence à bouillonner un peu sur ce champ-là des CFA d'entreprise. Vous voyez des statistiques en région parisienne, le nombre de CFA a augmenté de 50% depuis la loi. Impressionnant. Hein. Alors, on va clore le sujet, là, parce qu'on a plus que 10 minutes, un petit quart d'heure, pour répondre aux questions. Alors, voilà maintenant les 11 OPCO agréés. Ça doit être une diapositive que vous connaissez, mais elle a cette vertu qu'elle permet de voir qui s'est mis ensemble. Alors, OPCA PIA, c'est le FCA et OPCA LIM qui sont mis ensemble. OPCA 2I, c'est OPCA 3+, OPCA DEFI, et puis l'OPCA LIM. Donc, constructivisme n'a pas changé. La mobilité, c'est l'ANFA et l'OPCA Transport. L'OPCA du commerce, c'est toutes les branches du commerce de gros, non pas de gros. Parce que le commerce de gros a réussi, là aussi, lobbying intelligent a réussi, à ma grande surprise, à être dans les entreprises de services de forte intensité de main-d'œuvre. Mais on aurait pu imaginer que le commerce de gros soit aussi à l'OPCO du commerce, voire éventuellement la mobilité. Puisque, hein. Ensuite, vous avez Atos qui est banque, assurance, conseil, la santé sur Unifaf, l'ABDAS reste tout ce qui est.
spectacle, publicité, presse, etc. Culture. Culture, cohésion sociale, Olivier le sait, ô combien ça peut être, ça a été une bataille, mais je suis extrêmement ravi d'avoir insisté jusqu'au bout pour que cohésion sociale soit un opérateur unique et pas absorbé par un autre opérateur. Je considère que l'économie sociale et solidaire a du sens et que ça n'a rien à voir avec un autre type d'économie. Donc je suis très fier que cohésion sociale continue à exister. Charge pour ceux qui en ont la charge aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour continuer à le faire vivre, n'est-ce pas? Acte Alliance, donc c'est et Agefos PME, ce sont les ensembles pour les entreprises de proximité. Et ensuite, alors, le dernier, c'est le résultat, non pas du rapport. Dans le rapport, on avait parlé du FAFTT, avec la sécurité et la propreté, qui est une structure autonome et indépendante. Et les autres qui sont là devaient normalement aller ailleurs. Il s'est trouvé que, pour le coup, chacun a fait ce qu'il a pu. Et on a construit une entité qui est un peu plus large que ce qui était prévu au départ. Mais je sais que ceux qui y travaillent font un superbe boulot et que la réalisation de cet opérateur de compétences, quand il sera opérationnel, répondra largement aux besoins des entreprises. Alors, on a quelques questions quid des FAF, est-ce qu'ils vont rejoindre les OPCO? Puis une autre question sur la FEST qui n'est pas finançable, c'est une modalité pédagogique qui a FEST, Si, c'est un autre sujet. c'est une modalité pédagogique. À partir du moment où c'est une action de formation, et je parlais de forfait tout à l'heure, la formation en situation de travail est finançable. Alors, par les OPCO, sans doute qu'il y aura des enveloppes, mais après, ce sera peut-être des enveloppes négociées. Pour les entreprises de plus de 300, attendez, parce qu'on regarde maintenant. Alors, où est la FEDEM? Non, mais attendez, il y a une chose La qui est. DEFI, pardon. Pardon. Il y a une chose, on dit la FEST n'est pas finançable par le pot puisqu'il n'y a plus de budget et plan de formation pour les plus de 50. Bon, je vais m'énerver 30 secondes parce que j'ai des syndicats d'employeurs qui n'ont pas arrêté de me dire que puisqu'il n'y avait plus d'enveloppe mutualisée au niveau des opérateurs de compétences pour les petites entreprises, il n'y avait plus de financement possible de la formation. Je rappelle que la formation est une obligation des entreprises, hein, responsabilité sociale des entreprises, des obligations d'adaptation poste et de maintien et d'évolution dans l'emploi, et que depuis 2014, le fameux 0,9 du plan de formation n'existait plus et que c'est un investissement des entreprises à faire. Mais on a été dans un système français qui a poussé la logique tellement loin qu'on a l'impression que parce qu'il n'y a pas d'enveloppe mutualisée en tant qu'entreprise, on n'est pas en capacité de faire. Juste pour sortir du système franco-français, il y a trois pays en Europe, il y a une obligation de financement de la formation les entreprises sont obligées de verser une cotisation pour financer la formation, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Tous les autres pays font de la formation. Si vous regardez les pays scandinaves, il y a plus quasiment entre 7 à 10% du budget des de la masse salariale des entreprises qui est consacrée à la formation. Le système français, c'est un système particulier qui a toujours l'impression que. Alors, juste pendant la loi, j'avais écrit une tribune, je disais que si on veut vraiment que les entreprises puissent investir plus dans la formation, je demandais deux choses. D'un côté, que la formation, enfin, l'investissement en formation des entreprises soit déductible fiscalement comme étant un investissement immatériel. Et la deuxième chose, c'est que chaque salarié qui investissait ses deniers propres dans la formation, ça devait être déductible de ses impôts aussi. Antoine Fouché, le directeur de cabinet de Bouygues Pénicaud, m'a dit, je t'emmène à Bercy, tu vas leur expliquer ça. On y arrivera à un moment ou à un autre. Oui, si Bercy a des représentants chez les OPCO, ça va fonctionner dans les deux sens. Ils pourront aussi s'imprégner des besoins. Alors, on nous demande le poids de chaque OPCO de cotisation 2018. C'est la diapositive suivante que nous devons à nos amis de Centre Info que nous saluons, où là, vous avez les 11 opérateurs de compétences et vous avez réponse à la question que vous posez sur le total des cotisations 2018. Alors, il y a effectivement, là, parce que je vois des questions là, sur les FAF, il y a encore des structures qui étaient des structures indépendantes. Tout n'est pas complètement réglé par rapport à ces FAF. Je ne veux pas aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas dans la commande, je n'avais pas tiré sur le fil aussi loin. Oui, Mais aussi.
que devient le fiche PL, pour l'instant, il continue maintenant. Oui, il continue, donc on est sur des trucs... Oui, parce que le fiche PL est important pour les indépendants, bien sûr. Concernant la question sur l'économie, enfin, pas une question, dommage d'isoler l'ESS du reste, oui et non, parce qu'on a voulu effectivement qu'on soit sur une logique d'activité, que des activités identiques soient au même endroit. Mais à un moment donné, c'est aussi l'histoire depuis 1971, et l'uniformation a été un des premiers FAF. Il y a AGFOS, PME et uniformation qui sont quasiment les deux premiers FAF qui ont été créés à l'époque. Ça avait du sens, et que l'économie sociale et solidaire n'est pas complètement non plus le champ marchand et qu'il y a des besoins spécifiques. Oui, et puis bon, pour avoir travaillé pendant 2 ans beaucoup dans le secteur avec uniformation, il est vrai que sur le champ de l'économie sociale et solidaire, on a quand même des aspects très particuliers hein, sur le monde associatif, etc. Donc, je suis assez d'accord que pour moi, c'est plutôt pas mal, plutôt bien de l'avoir isolé, mais chacun peut être là, c'est des prises de position personnelles. Il y a une question, pardon, sur... Alors, nous répondons à vos questions maintenant, ce qu'on a déjà fait, mais on termine là-dessus. Il y a une question, le poids de chaque OPCO, le total de cotisations en 2018. Alors, le poids de chaque OPCO, c'est difficile à dire, parce que dans le rapport avec Jean-Marie Marx, on n'a à aucun moment voulu, en fait, ni réfléchir en seuil, en cotisation moyenne, ni en seuil d'entrée. C'est la loi, le décret qui a déterminé que pour être un opérateur de compétences, il fallait au moins 200 millions. Tous les opérateurs de compétences ont une cotisation qui correspond à peu près à 200 millions. Dans ces 200 millions-là, il y a à la fois l'obligation légale et l'obligation conventionnelle qui sont pris en compte. Ensuite, si on regarde les champs tels qu'ils existent aujourd'hui, je pense que le plus petit opérateur de compétences est aux alentours de 280 millions. Et le plus gros autour d'1,3 milliard, 1,5 milliard. Donc vous voyez qu'on a des petits et des mastodons, mais ce n'est pas la somme gérée qui pour nous était primée, c'était la cohérence du champ et la capacité derrière à répondre aux secteurs qui sont des secteurs qui composent ce champ cohérent. Là, on sait bien qu'il y a des secteurs de l'économie, si je prends l'industrie, 1,3 milliard au niveau de l'industrie, sont quand même des bastions. Le commerce sont aussi des bastions de l'économie française. Vous prenez le secteur de la santé qui doit être aux alentours de 400 millions, 500 millions. On est sur des secteurs deux fois moins. Ça ne veut pas dire que ces secteurs sont moins importants. Et que justement, la cohérence qu'on a voulu, c'est que d'avoir des observatoires et des certifications qui aillent vraiment de la prospective, de la réponse aux besoins à la fois des entreprises, des individus et de la société. Ce n'est pas la somme collectée ou gérée qui est importante, c'est la capacité de répondre au développement des branches professionnelles et d'économie. Voilà, si vous n'avez plus d'autres questions en cours, on va vous remercier, puisqu'on arrive à 15h29, on est pile à l'heure. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre fin... au webinaire, puis on peut rester encore un petit peu hors webinaire, ceux qui veulent continuer à bavarder quelques minutes. Il me reste à remercier René Baborski je peux voir un peu, parce que je crois qu'il a beaucoup plus parlé que moi aujourd'hui. Merci. Je suis trop bavard. Mais c'était à la fois très dense, très intéressant et très riche. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vous donner un panorama de ces nouveaux OPCO, dire adieu aux OPCA, bien évidemment, et puis essayer de comprendre le pourquoi et le comment de ce Big Bang, quand même, de la formation. En parlant de Big Bang, si ça vous intéresse, j'ai écrit un texte que j'ai mis sur ma page LinkedIn, qui a été publié dans la revue Éducation Permanente, dans le titre est « Formation professionnelle pour adultes, Big Bang à tous les étages. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Voilà, alors Big Bang à tous les étages, vous retrouvez l'article de René Baborski sur son profil LinkedIn. Merci encore René, merci à la FREF, hein, puis
Prochain jeudi de la FREF. Prochain jeudi de la FREF, c'est bien Robert Walking, je ne sais pas s'il est encore en ligne, c'est le mois d'octobre, le 17 octobre, qui sera consacré à la FEST, justement. À la FEST. Et donc la FEST, un peu voir, mais pas uniquement ce qu'on a déjà dit, c'est de travailler un peu plus en détail sur un certain nombre d'aspects. Je sais que ce sera une matinée de grande qualité. Voilà, et puis nous essaierons un jour de travailler à la FEST pour faire des jeudis dématérialisés pour que nos amis hors Paris puissent y participer. C'est un autre sujet. Mes prochains webinaires de CFS+, je n'ai pas encore prévu celui du 19 décembre le sujet, mais le 17 octobre, nous allons faire connaissance avec les certificateurs qualité cette fois-ci qui seront en cours d'agrément d'accréditation pardon par le COFRAC. Vous savez qu'il y a une première liste de certificateurs qui pourront commencer à valider, à faire des audits sur la nouvelle certification nationale unique. Donc ben, nous ferons connaissance avec ces certificateurs et les modalités du référentiel national de la certification professionnelle. Et le 21 novembre, j'espère que nous aurons quelqu'un de la Caisse des dépôts pour nous présenter l'application CPF qui est annoncée pour novembre. Donc, j'espère qu'elle sera sortie le 21 novembre et que nous pourrons en parler en détail. Voilà, certification nationale unique, là, j'en profite pour vous informer sur les formations mises en place par CFS+. Et vous retrouvez donc ce webinaire pendant plusieurs mois en replay sur Webvidéo et vous pouvez télécharger le document en PDF donc qui comprend cette présentation plus quelques autres informations.